Je suis aujourd'hui salarié depuis 15 ans chez EDF, avec un parcours assez linéaire de 17 ans dans les études, qu'elles soient quantitatives, qualitatives, 2 années en institut de sondage, et puis 4 postes successifs chez EDF, à la R&D, au marketing, à la communication et de nouveau au marketing, toujours dans les enquêtes. Le métier au quotidien chez EDF Commerce, qui est l'entité marketing, vente d'EDF, est de piloter, suivre ou plutôt répondre à toutes les demandes internes sur les besoins d'enquête quantitative, qualitative pour tous nos segments de clientèle, que ce soit les clients particuliers, les clients B2B, du petit professionnel aux grandes entreprises, sur des problématiques classiques d'enquête marketing, satisfaction client, test d'offres, de prix, test de mailing, de programme relationnel, de publicité commerciale, une activité très classique du marketing. Il est vrai que j'aime bien encadrer, transmettre, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Le fait que ce soit l'IAE de Grenoble, une formation labellisée Syntex, qui est assez important quand même dans ce secteur, est aussi un bon point. On n'est pas parrain comme ça tout de suite, on l'improvise, c'est-à-dire que je suis déjà intervenu notamment avec Gérard Donadieu dans ce cadre-là. Voilà, c'est une marque de confiance qui m'est faite, qui est très sympathique, et de mon côté, c'est un engagement par rapport à une promotion, non pas pour être la figure tutélaire d'une promotion Voltaire ou je ne sais quel sondeur pour ce qui est de notre secteur, mais plus pour essayer d'ouvrir quelques portes et aider à l'insertion professionnelle. C'est-à-dire, je suis à peu près convaincu que c'est aux universitaires, aux enseignants d'apporter le savoir théorique, c'est aux professionnels de partager leurs expériences, tel qu'on peut le faire avec Gérard en intervenant, mais c'est aussi aux professionnels d'ouvrir leur carnet d'adresses et d'aider à des premiers pas de stage, de premiers emplois, pour ces jeunes générations qui, de toute façon, vont très vite prendre nos places. Le conseil, c'est le même, c'est celui que j'ai reçu il y a quelques années, c'est toujours privilégier la variété. Il faut privilégier la variété des expériences, et de ne pas aller au plus simple. C'est-à-dire que les études chez EDF, ça peut paraître rebutant ou pas très amusant de premier abord, et c'est pourtant un très gros annonceur, assez méconnu, avec une variété folle de sujets, que ce soit en marketing, que ce soit en communication, que ce soit en opinion publique, en santé publique, en enquête de salariés, etc. Donc de vraiment rechercher la variété, de ne surtout pas vouloir s'enfermer en disant je veux aller dans tel secteur très précisément, ils ont le temps de découvrir.